À part de ça, la plupart du band a resté moyen pareil. Ça s'appelle les Southern Ramblers et vous allez reconnaître, je suis sûr, en arrière de l'accordéon, M. Jesse Léger. Bien content de l'avoir avec nous autres, M. Jesse Léger, les Southern Ramblers. Ils sont préparés? Allons lâcher l'affaire. On va commencer avec quelque chose qui s'appelle le Creole Stomp. C'est Jesse Léger, là sur l'accordéon. Comment les affaires? Ça va? Ouais? Moi, d'accord, pas de défaut, mais ça va. Alors, je vais jouer avec lui ce soir, M. R.C. Van Accord, sur le steel guitar, d'être là aussi. M. Morris Newman, on est là sur les tambours. Il faut y soit un garçon, Cliff. Un cousin? Boy, ça c'est une ressemblance dans la famille, boys. Mademoiselle Tina Pellione est sur le violon, bord ici. Le bug avec le meilleur haircut dans la band. Un barbier lui-même, M. Little Hanks, sur la guitare. Là-bas. Tu trouves pas ça? J'ai un chic là. Ouais, gars. Je vais la faire drôle. Je vais les arracher avec vous. Et en arrière de l'accordéon, avec pas de chapeau, M. Jesse Léger lui-même, les Southern Ramblers. Et on va continuer la soirée avec quelque chose qui s'appelle « Je vais m'ennuyer ». Caribe, Caruca,
Je vais m'ennuyer. Écouter la musique des nouveaux Southern Ramblers. Et, enfin, ben, ils ne sont pas trop nouveaux, mais le nom est nouveau. le ben est en moyen usé. La prochaine chanson, c'est quelque chose qui vient des premiers jours qui s'appelait Recorder la musique cajun dans la Louisiane, Dennis McGee. Et Cédric Courville a recordé ça, quelque chose qui s'appelle Jeunes gens de la campagne.
l'accompagne jouer à peu près aussi bien que ça va être joué, drette là. Jesse, t'as pris t'amuser? T'as pris t'amuser? Tout le temps. Quoi y a? Elle est chaude? Celle-là est plus petite. Celle-là est plus petite. T'as dit un petit accordéon, né? Un petit béné. Un béné accordéon. Ça va ressembler à une boîte d'allumettes dans les mains d'un ours. Hmm? Un Shetland, un Shakta. On peut jouer un Shakta. Alors, dis-moi quand le harnais est paré. T'as 10 boutons ou 9? T'as 10 boutons ou 9? 9, tu ne vas pas te perdre. 5 de trop. 5 de trop. Belle chanson à Star que M. D.L. Ménard et Dieu et Bolfa et Marc Savoie recordé des années passées, quelque chose qui s'appelle En bas du chêne vert.
ça c'est une belle chanson. Écoutez la musique des Southern Ramblers, M. Jesse Lazier et ses amis, puis on est bien content de les avoir avec nous autres. Live, aussi vivant que ça fait. Quoi, tu changes encore? Non? Il y a quelque chose qui s'appelle les petites filles de la campagne qui s'en viennent, on va voir si ouais. Hein? Ça a été fait. Yeah, c'était une vieille chanson à une vieille chanson à Dewey, ça. Hein? À qui? Une vieille chanson, oui, je crois que Dewey a fait ça. J'ai les chères petites filles de la campagne. I think that qualifies a hit in all eight cylinders. Quand tous les cylindres après frappé là, Jack. Hein? Ça t'appelle. Wouh! Ça t'appelle. Si vous autres savez pas quoi c'était, ça s'appelle un groove. Ça, c'est un groove. T'appelles ça un groove. Tina, j'ai entendu cette affaire là que t'as préparé.
pour jouer sur les grosses cordes. Moi, j'ai excité les affaires en arrière. OK, oh, tu connais quoi? J'ai oublié d'épousseter le plancher. God bless. C'est juste le moment pour le faire aussi. It's part of the show, I guess, is going to be brought to you by Yellow Cornmeal. Et la chanson qu'on va jouer, c'est juste fait pour ça. Quelque chose qui s'appelle Brasse dans le couche-couche. Couche-couche. Pas souvent qu'on attend celle-là. Là. Puis si quelqu'un veut venir après le show avec un balai puis ramasser, peut-être qu'ils pourraient brasser leur couche-couche à leur même. Tu viens plus tard à soir ou demain matin, va changer de harnais encore, puis va arriver. Hein? ça pourrait donner des exercices après ramasser ces accordéons. Ouais. Petit bouton pour changer la clé. Ouais, parce que celle-là, quand tu as ça dans tes mains, ça ressemble à une boîte d'allumettes. Petite affaire. Elle est lourde. Elle est lourde.
Elle est plus lourde que celle-là? Oh, elle est lourde, ouais. Ça ici, c'est quelque chose qui s'appelle le Cypress Inn, baby. On est toujours dans la coche, là. Pour écouter la musique de Southern Ramblers. Et ça ici, tu connais une des choses que Jesse fait tellement bien, c'est quand il chante ces chansons-là qui peut déchirer le cœur. Et ça ici, tu en es un direct là. Quelque chose qui est Dunas Terrio qui avait fait ça des années passées. Quelque chose qui s'appelle la valse de la métal. Yeah.
toi qui voulais séparer, et si tu l'auras après de ce bout de mon chemin. Yeah, t'es all right? Yes, il dit. Yes, sir. Ça, c'est le nouveau Crowley Two-Step. Quoi, c'est le vieux Crowley Two-Step? Comment c'est nouveau? Comment c'est différent? Je l'ai attendu, non, mais comme ça. OK. Si je ne me trompe pas, j'ai attendu ça, Mark. Il avait recordé un score. Je ne sais pas si ça l'avait appelé au nom. Marc Savoie. Pour quelques raisons, je me rappelle le New Crowley Two Step. Il a moyen de changer à Yeti Brin, quelque chose. Oui, c'est différent. Donc, OK, ça c'est le nouveau Crowley Two Step. On va vous donner des vieilles affaires ici. On va donner des fresh, brand new. Une vieille danse, mais elle est brand new. Thank you.
Yeah, le nouveau chorale Two Steps, sans les moyens. Vieux temps pour moi, mais en tout cas. La prochaine chanson, c'est une de mes favorites chansons. Moi, j'aime cette chanson-là, check, man. La première fois que j'ai entendu ça, c'était Warren Barzak qui a préchanté avec Maurice chez Snooks à la Ville Plate. Et c'est une des chansons là, que il faut que tu grimpes sur une échelle moyen pour la chanter. Il faut être une de ces voix qui peut percer un trou dans du sheetrock pour la chanter. Ça ici, c'est quelque chose qui... quelque chose qui s'appelle la valse de Eunice, the Eunice Waltz. On va jouer ça pour tout le monde qui est ici avec nous autres à soir, à Grand Eunice. Pas rien à dire.
Mais ça, c'est aussi bon que ça vient, direct là. On entend pour une autre chanson, pour avant fini le show, puis j'aimerais...